Hey yo les potes, c'est Alex, vidéo aujourd'hui sur la chaîne Upson Gaming, comme d'habitude, pour vous représenter un petit peu quelque chose dont je vous ai parlé brièvement lors des épisodes astuces et d'autres épisodes fusil à pompe, etc. C'est étudier, enfin jouer en fonction du spawn ennemi et de ton propre spawn, bien entendu, pour pouvoir attraper l'ennemi à revers et faire le plus de kills. Donc je vais essayer dans cette vidéo de reprendre ça un peu plus en détail et d'être le plus clair dans mes propos. Donc c'est parti, on va lancer une partie. Donc sur une carte au hasard. Ok, c'est un bon exemple. La carte Europe, où le spawn est un peu plus dur à comprendre. Mais voilà, là on spawn d'un coin de la carte. Donc l'ennemi va spawn à complètement l'opposé. Je vais vous montrer où est-ce qu'il va spawn. Hop, 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 hop. L'ennemi spawn derrière ces escaliers là devant. Donc là, le fait de savoir le spawn, c'est que je sais que là, hop là, je chope un ennemi à revers. Là, les premiers sont morts, ils n'ont pas encore spawn et ils vont revivre de ce point-là ou juste à l'opposé. Et ça peut être intéressant de les attendre, comme celui-ci, et de le prendre en filature. Bon, bah là, en l'occurrence, on arrive en face à face. Hop, mais c'est super intéressant. Le prochain, vous allez voir, il risque d'arriver juste derrière, là, voilà, hop là. Et c'est comme ça qu'on peut enchaîner des kills. Là, ils vont respawn de juste en face. Donc en fait, le gros avantage que vous avez, certes, vous pouvez vous retrouver au milieu du spawn ennemi, mais c'est de savoir où l'ennemi va arriver. Et c'est vachement intéressant pour en choper 2-3 par derrière. Vous m'avez déjà vu faire ça dans mes vidéos où je peux enchaîner 3 kills comme ça sans prendre un seul dégât, juste parce que je suis arrivé dans le dos des ennemis. Et ça, c'est vraiment un point stratégique à adopter. Donc on prend forcément le risque hein, de se faire avoir aussi par rapport à leur invisibilité, le temps du respawn. On va lui les AFK, allez, c'est cadeau. Voilà. Mais c'est super intéressant. Moi, vraiment, je vous invite à jouer ça. Notamment en début de partie, si vous avez Panthère, vous courez dans le spawn ennemi et vraiment, vous allez faire un carnage. Là, par exemple, je suis là, je capture le point, je sais que l'ennemi va arriver d'en face. Sauf s'il y en a un qui a fait tout le tour comme moi. Mais voyez, le point spawn, il est là. Et voilà, il est là. Et c'est cadeau à chaque fois. Donc c'est super, super intéressant, les gars. L'ennemi, là, il va arriver par là. Ou alors, il est allé de l'autre côté de la map. Mais j'ai l'info, en fait. J'ai l'info de où il va respawn. Donc soit on retombe en face à face comme ça. Soit il a choisi l'autre direction. Et à ce moment-là, je le chope à revers. Et c'est ultra intéressant. Et c'est comme ça qu'on fait des scores de ouf. Hop là, regardez. Moi, à chaque fois, j'ai pas de chance. C'est pas le meilleur exemple parce qu'il court dans ma direction. Mais il a une chance sur deux pour prendre l'autre direction, on est bien d'accord, hein. C'est vraiment une très bonne technique que je vous invite à utiliser. Ok, on domine largement. On va se calmer un petit peu, faire deux points de contrôle. Mais vous voyez, j'ai toujours en tête où l'ennemi va spawn. Et donc, je regarde dans la direction où il va arriver. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et voyez, là, si je spawn ici, je vais pas jouer en restant par là ou en regardant là. Je sais que l'ennemi a spawn d'en face. Donc j'ai tellement plus de chances d'en rencontrer un dans l'autre sens. Et ça, c'est vraiment à avoir en tête. Là, le spawn, il est là. Donc je vais croiser quelqu'un. Soit je vais croiser quelqu'un de face, soit il y en a un qui va fuir de dos par là-bas. C'est super intéressant. En l'occurrence, l'ennemi est juste là. Hop là, regardez, on va lui faire un petit guet-apens. Ça peut marcher. On va hisser, hop là, mais il est quand même mort. Big bada boom. Là, regardez, si je me mets là par exemple, je sais, oula, je savais que personne allait arriver de la droite. Mais donc, du coup, ça me permet d'avoir un gros avantage. Voilà, on va pas plus parler. On arrive en fin de partie, on a largement dominé. Et je pense que c'est entre autres dû au fait que je savais où l'ennemi allait spawn. Ça vous donne franchement un avantage considérable, les gars. À ne vraiment pas négliger. Hop là, ça spawn à l'étage ici, ça spawn de là-bas. Hop là. Donc là, je risque de me retrouver en 1v2. Mais ça passera pas. Tant pis. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu prouvé l'importance de ce point qui est clé franchement dans la stratégie. Là j'ai même un peu trop abusé le trait, c'est-à-dire que j'ai vraiment joué que là-dessus. Et à vous de trouver le juste milieu entre aller chercher l'ennemi à son spawn, l'attendre à un endroit stratégique, surtout là on est dans un capture de zone.
Mais je pense que les exemples que je vous ai montrés là sont plutôt probants. Voilà, sur ce les gars, je vous retrouve pour une prochaine vidéo où je pense qu'on va parler un petit peu clan, parce que vous commencez à être quelques-uns à me contacter pour qu'on puisse jouer en clan. Alors oui, j'ai créé un clan pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'actualité. Et oui les gars, je compte bien vous y faire adhérer un maximum pour qu'on puisse se faire des parties ensemble, ça serait vraiment fun. Sur ce les gars, ciao ciao.